Félix, tu es prêt? Allez, habille-toi, ton père passe te prendre dans un quart d'heure. Oh, mamie, pourquoi c'est jamais toi qui m'accompagne? Ben, j'aime bien, moi, quand on est tous les deux. Il faut bien que quelqu'un garde la maison et s'en occupe. L'astéroïde, Gawain et Cognato. Tu crois que je peux vraiment compter sur eux? Ben... Allez, dépêche-toi. Arrêtez tergiverser, dites-moi la vérité. Combien de temps? Le corps humain est parfois plus résistant qu'on ne croit. Malheureusement, pas immortel. J'ai tout essayé, monsieur Meyer, croyez-moi. La médecine est impuissante, et moi aussi. Je suis désolé. C'est tout ce que vous trouvez à me dire. Mon rôle se limite à lui assurer un traitement de confort. Je ne peux rien faire de plus. Maintenant, il a besoin de vous. Moralement, vous pouvez l'aider. Vous croyez au miracle? Dans certaines maladies, le psychisme joue un rôle déterminant. C'est parfois un facteur de guérison. Ouh, papa! C'est ce qu'on appelle des rémissions inexpliquées. Enfin, appelez ça comme vous voudrez. Merci. Oliator, je veux enfin démasquer ton visage de traître. Tu te rends compte, le traitement a fait son effet. C'est incroyable. J'arrive pas à y croire. Pas te moquer de moi, mais cet après-midi, en faisant mes cours, j'ai croisé un chat noir. Oh, j'en étais malade. J'ai croisé les doigts crachés par terre pour virer le sort. Mais t'imagines? Oui, j'imagine. Eh bien, figure-toi qu'à mon retour à la même place, j'ai croisé un chat blanc. Tu sais ce que ça veut dire? Non. C'est un signe de grand bonheur, une grande nouvelle. C'est fou, non? Oui, c'est fou. Tu es bien obligé de croire au destin. Une fois que ça marche, ce truc-là. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est moi. Écoute, dis-leur de mettre l'aigle dans la grande cage. Oui, demain. Non, pas avant. Ben, je sais pas, je passe demain dans l'après-midi. Écoute, je suis désolé, mais j'ai pas une minute à moi en ce moment. Tiens. C'est pas vrai. Te trouves nerveux. Tu devrais être content. Tu ne m'as pas menti, au moins. Mais non, maman, je viens de te le dire. Tout est rentré dans l'ordre. Aucune trace, le médecin était formel. Je sais pas, ça va être le contre-coup. Enfin, je pourrais partir à mon congrès tranquille. Papa, Gawain est coincé derrière mon armoire! Vite, il étouffe! Ton fils t'appelle. Ah. Ton fils t'appelle. J'arrive. Nicolas? Oui? Je vais quand même l'emmener chez Tante Poulette. Après tout ça, il a besoin de repos, hein? On arrive, Gawain, tu m'entends? Tiens bon, on va te téléporter. T'as pas une règle. Voilà, ça y est presque. Voilà, ça y est presque. Tiens, prends-le par en dessous. Cogator, Gawain va te faire disparaître dans la 7e dimension. Tiens. Tu veux pas jouer? Plus tard, va te laver les mains, on passe à table. Ça va pas? T'es fâché? Mais non, allez. Allez. Allez, viens mon bonhomme. T'es comme moi, là, c'est pas notre truc, les étoiles. Aux extraterrestres, dans le ciel entier. Je suis votre ami. Répondez-moi. Je n'aurai pas peur. Je ne suis pas comme les autres. Mon nom est Félix. Quelqu'un a besoin de vous sur Terre. En France. Venez vite. Répondez-moi. Maman engage Alpha.
soir. Allez. Oh. Maintenant, ça suffit, Félix. Faut que tu dormes. Hmm? Tu sais, à mon avis, tes copains là-haut, ils font la même chose. Allez, dodo. Bien. Bien. Ah, beaucoup mieux, elle, hein. Oui. Beaucoup moins de champignons, là. Oui, c'est disparu. Ça lui a fait du bien, le traitement, là. Très bien. Hop. Tiens, ma bibi. Tiens, la fille. Tiens. Vous savez, ces oiseaux-là, ils ont une drôle de mémoire. Vous verrez que lui s'en souviendra. Je lui en demande pas tant. Mais c'est bien chez tant de boulettes pour te reposer. Tu vas être au milieu des vaches, des poules. Ça te changera un peu des soucoupes volantes. Mamie, tu sais bien qu'on dit des jet fighters. Ah, pardon. Allez, mange un peu. Mange ta purée. Je préférerais aller rejoindre papa à son congrès au lieu d'aller chez ton Paulette. Non, Félix, il sera trop occupé. Maintenant, je voudrais que tu finisses ta purée. Mange. Tu crois qu'un jour, on pourra partir en vacances avec papa comme on fait avec maman? Ton père t'a promis de t'emmener en Afrique l'année prochaine, tu verras. Oh, presque une autre planète. Il m'a déjà promis de m'emmener sur Vénus. Je préférerais ça à l'Afrique. J'arrive! Tu devrais peut-être t'emmener. Non, t'as raison, j'y vais seule. Tu vois, maman, que j'avais raison. Ils sont venus. T'as reçu mon message? Tu t'es fait attaquer? J'ai cru que t'allais repartir.
t'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider. Le moteur est en panne, c'est ça? En attendant, tu peux pas rester ici. C'est dangereux, les hommes vont t'attraper. Faut te cacher. Je t'expliquerai plus tard. Allez, viens. N'aie pas peur. Personne te trouvera. Comme ça, cette fois, tu n'auras qu'à te mettre sous la couverture. Et puis, je t'ai mis des gâteaux aussi. Ça se mange. Tu sais, t'as de la chance de tomber tout de suite sur moi. Parce que les autres hommes, ils auraient eu peur de toi. Ils t'auraient capturé. Ça se passe toujours comme ça dans les films. Tiens. Puis je t'ai amené ça aussi. C'est un dictionnaire. Pour que tu comprennes tout ce que je te dis. Si tu comprends pas, tu me demandes, ok? C'est comment chez toi? T'es fatigué? T'es triste alors? Chut, astéroïde! Il n'est pas méchant. Mais Thierry, toi que c'est important qu'il soit venu. C'est un effort, astéroïde! C'est la langue des chiens. Il n'y a pas de pays. Et vu que je m'appelle Félix et qu'on est sur Terre et que toutes les nuits, je regarde les étoiles. Demande-lui aussi combien il y a d'étoiles dans le ciel. Ça suffit, je comprends plus rien. Remonte. Mère, mamie. Ma grand-mère, elle a des insomnies. Faut vite que je remonte me coucher, sinon elle va me chercher partout. Je reviendrai demain matin. Tu bouges pas. Je suis contente qu'il soit là. Je t'ai attendu longtemps, tu sais. C'est vrai. Bouge pas. Arrête! Arrête!
Calme-toi, maman. Calme-toi, calme-toi. Tu sais que t'aurais pu me tuer. J'ai pas eu le courage de dire la vérité plus tôt. Quelle vérité? Sur Félix. Il est malade. Il a une leucémie. Une leucose lymphoblastique aiguë, comme ils disent. Une leucémie et tu trouves encore la force de faire le con. Mais je fais pas le con, maman. Simplement, le rêve de Félix, c'était de rencontrer un extraterrestre. Voilà, c'est le cadeau que je voulais lui faire. Pourquoi? Il est vraiment... Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Écoute, maman, si je t'avais parlé de cette histoire de soucoupe volante, tu m'aurais pris pour un fou. Mais t'es fou. Je te crois pas qu'il vaudrait mieux qu'on le soigne, qu'on cherche, c'est pas moi. Il y a bien une solution. Écoute, maman, ça coûte rien d'essayer. Il veut voir un extraterrestre, pouvoir lui parler, le toucher. Aujourd'hui, il n'y a que ça que je peux faire pour lui. Et comment tu lui parles? Bah, en français. Parce qu'il parle en français, ton martien? Bah oui, comme dans tous les films d'extraterrestres. Tu veux me faire croire qu'il parle comme toi et moi? Je t'ai pas dit ça, il a fallu que je lui passe un dico. Je l'ai appris par cœur comme ça. D'un coup, on fait tourner les pages. Alors tu dis que c'est le moteur qui est pété. Nabil, t'as déjà vu une soucoupe tourner en bande dessin? Alors c'est pas possible. Mon père réparera jamais ça, c'est trop compliqué une soucoupe. Écoute, en vrai, elle est pas très moderne. Je crois que c'est un vieux modèle, quoi. On peut toujours aller voir ton père. Tu me racontes pas de conneries, hein? Mais non! Bon, allez, viens, on y va. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, monsieur. Oh, c'est une enquête pour l'école. Vous y croyez, vous, aux extraterrestres? Mais il manquerait plus que ça! On a déjà assez d'étrangers comme ça ici. Hein, Nabil? Hein? Allez, viens. Bon, j'ai pas que ça à faire. Et toi aussi, d'ailleurs. Il serait mieux d'aller faire tes devoirs. Hein? Ma grand-mère est là, elle vous laissera pas entrer. De toutes les façons, il n'y a rien. Ouais, je vous l'avais dit, Félix, c'est un primeur, c'est bien un parisien, il raconte n'importe quoi. Ouais, c'est un primeur. Bon, montre-le-moi, ton martien. D'accord, mais il faut payer. Oh. Payer, non, mais tu rêves, il est pas à toi. 5 francs et je vous laisse entrer. Par personne? Oui, enfin, pour les filles, c'est gratuit. Ouais. Allez, mamie. S'il n'y a rien, t'auras intérêt à rendre le fric. T'en fais pas, Goliator à côté, c'est une fille. Allez, allez, oui, allez, allez, allez. Enfin, il faudrait voir. Et ça coûte cher, monsieur, à changer une belle coulée? Tout ça, ça dépend des marques. Là, c'est une vieille voiture, on voit plus la marque. Écoute, bonhomme, ça tourne autour des 5000 et hors taxe, tu comprends? Hors taxe? Oui. Ouais. Et c'est où, monsieur, une belle coulée? Sous le moteur, là. Bon, ah ben, ça doit marcher.
Bien coulé. Bien coulé. J'ai pris sur la voiture de mon père. Ça m'a pris une demi-heure pour l'arracher. Mais avec ça, on va réparer le moteur de la soucoupe. Tu comprends, tu peux pas rester sur terre. Si les grands trous, ça va très mal se terminer. Sois pas triste, Camille, tu vas repartir. J'ai pris une décision, j'ai réfléchi toute la nuit. Quoi? Je repars avec toi. Non. Trop compliqué. C'est un secret entre toi et moi. Je suis allée dans des milliards d'hôpitaux et j'ai bien vu que les docteurs ils savaient pas trop quoi faire. Je suis très très malade. Alors maintenant, t'as plus le droit de m'abandonner. Non. Parce que moi, j'ai cassé la voiture de mon père pour toi. Et je peux te dire que pour lui, c'est vachement grave. Elle s'appelle comment, ta planète? Xénon. Ah oui, dans la galaxie de Sirius. Bien. Juste à côté. Félix! C'est encore ma grand-mère. Elle est gentille, mais elle s'inquiète toujours pour moi. Elle est comme ça, la tienne, aussi. Félix! Qu'est-ce que tu fais debout? J'avais un petit peu faim, alors je suis descendue dans la cuisine. Je préférerais que tu manges à l'heure des repas. Allez, va te coucher. Je te préviens, je laisse la porte entrouverte, j'entendrai bien si tu recommences à galoper dans le couloir. Allez, file. Félix. Tu sais, je suis pas vraiment fâchée. Mais. Je sais, mamie, t'as des insomnies. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui faire cette promesse? Mais qu'est-ce que tu vas faire? L'emmener sur Mars, peut-être? Pourquoi pas? Nicolas redescend sur Terre. Et dis à Félix que la soucoupe n'est pas réparable. D'ailleurs, où l'as-tu trouvé cet engin? Dans une foire. Un type, il me l'a loué avec le costume. Et tu voudras aller sur Mars avec un jouet de fête foraine? Tu as déjà de la chance qu'il ait cru à cette mascarade. Nicolas, ça suffit maintenant! J'ai tout organisé pour aller avec lui chez Tante Paulette. Tante Paulette et sa basse-cour. Alors que moi, c'est la lune que je lui promets, maman. Maman! Maman, attends. Tu te souviens du glacier sur lequel j'allais skier autrefois? Non. Mais si, je t'avais montré des photos. Bah alors? Tu disais que ça ressemblait à la lune. Non, j'ai jamais dit ça. Ah si, tu l'as dit! Écoute, maman, on va transporter Félix et la soucoupe tout là-haut, comme si c'était... Tais-toi, t'es complètement fou, Félix restera ici, près de moi. Mais arrête, c'est l'affaire de 2-3 jours, après je le ramènerai ici. Aïe! Nicolas, même si tu parvenais, ça servira à quoi, hein? La mère de glace ne va pas le guérir. Et tôt ou tard, il faudra bien lui dire que Garmin, c'est toi. Non, il le saura jamais. Et je vais lui offrir son rêve jusqu'au bout. Félix ne va pas se réveiller comme par enchantement sur la mer de glace. Si c'est possible, on va partir cette nuit. Cette nuit? Oui, sinon demain, je voudrais plus le faire. Tout ça, je suis extraterrestre dans mon cosmos entier. À bientôt. Stop, j'arrive. Stop, terminé. J'ai trouvé Gawain en bas. Quoi? Tu l'avais oublié dans le salon. Un verre de lait. Qu'est-ce que t'as mis dedans? C'est rien, juste un petit cachet pour bien dormir, comme ça t'arrêteras de courir. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas comme d'habitude. Allez, bois.
tout bu. Bon. Bon, bah, je vais voir. Félix. Gawain, t'es fou. Vite, vite. T'es fou. Mais qu'est-ce que tu fais là? Partir. Il faut partir. On m'a envoyé un signal. Maintenant. Maintenant? Oui. La soucoupe est réparée. Le ciel est clair. Les étoiles vont nous tracer la route. Je suis pas prêt. Il faut que je fasse ma valise. Vite, vite. Mais je dois prévenir mamie, papa. Je peux pas partir comme ça. Hein? Alors je pars sans toi. Non, attends. Attends. Oh là là. C'est ma mère. Elle est belle, hein? Oui. Oui. Peut-être qu'on la retrouvera là-haut dans le ciel. Oui, peut-être. C'est un faux, ça se voit, hein? Oh, oui. Je prends encore une ou deux affaires. Vite, oui. C'est du chocolat. Vous en avez là-haut? Non, non. Genre assez chaud, tu crois, avec ça? Peut-être pas, hein? Ah oui! Quoi? Dans ta planète, où ici je suis empereur de la réunification galactique et que mon père il est chef. Oui. C'est mon père qui l'a fabriqué. Viens, on va faire une photo pour papa et pour mamie. Comme ça, ils comprendront. Attention. Merci. Je suis parti dans l'espace avec un extraterrestre. La preuve, regardez la photo. Nous revenons bientôt. Je vous embrasse. Bonsoir, monsieur Païs. Je m'excuse de vous déranger à cette heure-là, mais j'ai un petit problème. Je suis en panne, quelqu'un a démonté mon moteur, et alors bon, j'aurais besoin de vous, quoi. Enfin, vous êtes malade ou quoi? Vous savez l'heure qu'il est? Oui, je sais, c'est très tard, mais j'ai une girafe à soigner dans un cirque, alors c'est urgent. Je... Écoutez, monsieur Meillet, les taxis, c'est pas fait pour les chiens. Alors, bonne nuit! Cherchez la bagarre, c'est ça? Attendez, calmez-vous. Donnez-moi deux minutes pour vous raconter ce qui m'arrive. Vous connaissez mon fils, Félix. Bon, voilà à quoi j'ai pensé. Je me déguise en extraterrestre. Je loue une soucoupe volante. Je mets Félix dedans. Et puis on file droit sur la mer de glace, quoi. C'est sa dernière chance. Ah mais... Vous foutez de ma gueule ou quoi, là? Hein? Vous êtes mis malade ou quoi? Oh! Oh, du calme, là! Oh! Non, c'est pas moi, c'est mon fils qui est malade! Ok, ok, ok. Calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas docteur.
C'est ça que je veux. Je vous l'achète deux fois son prix. Tenez, c'est une avance. Impeccable. Nicolas, t'as oublié une chose. Tu n'y connais rien en science-fiction, tu vas avoir l'air d'un imbécile là-haut. Arrête tout, je crois que ça vaut mieux. Si sa mère était là, elle dirait la même chose. Je te comprends pas, on était d'accord. Ce n'est pas raisonnable, ça finira mal. Allez, arrête tes conneries. On explique tout à Félix, je l'emmène chez Tante Poulette. C'est mieux comme ça, crois-moi. On va le ramener dans sa chambre. C'est trop tard. On peut pas lui faire ça. Je suis qu'une vieille égoïste. Allez, démarre. Je serai de retour dans deux jours. Tenez, Monsieur Meyer, je préfère les enfants aux girafes. Merci. Allez. Le plein, s'il vous plaît. Faites plein de la soucoupe aussi? Ah oui, très drôle. Sérieusement, vous allez où avec ça? C'est encore loin, Chamonix? Environ une heure. Ah, quand même. Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes dans les toilettes des hommes. Oh, pardon. Non, non, il n'y a pas de mal. Thank you.
Félix, ça va pas. Ah ben oui, c'est vrai, si tu peux respirer, je peux aussi. Oui. On y va? Oui, oui, on sort, oui. Tiens. Viens. C'est pas joli tout ça, hein? Mais il y a personne. Sur Saturne. Mais c'est pas ta planète. Non, mais on a encore cru une bielle. Encore, mais c'est pas possible. Normalement, les vaisseaux d'extraterrestres ne tombent jamais en panne. Jamais. Si. Remarque, ça m'étonne pas. Je savais bien qu'elle était nulle, ta secousse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? On va attendre du secours. Le moteur est out. Tu peux pas le réparer? Non, Gawain est nul. C'est bête, on était bien parti. À qui la faute? Félix, reviens. Félix! Ça va? Je croyais qu'on était en apesanteur sur Saturne. Et les anneaux, où ils sont? T'es sûr qu'on est sur Saturne? Mais... oui. Ton émetteur, il marche au laser cosmique ou au rayon XT? Mais au laser? Ah bon, d'accord. Remarque, je voulais peut-être ta secoupe, ça m'aurait étonné que t'aies quelque chose de moderne. Enfin, faut tout de même qu'on essaye de se débrouiller. Va diriger une antenne sur le toit. Quoi faire? Écoute, c'est comme je te dis. Et c'est une transmission intergalactique. Et ça, c'est dur. Non, c'est pas vrai. Quoi? Danger. Quoi? Ne bouge pas. Ils ont l'air de quoi? Attends, je vais te montrer. Tiens, regarde, tout ça. Ça s'appelle comment? Hein? Belkézor. Oui, c'était Belkézor. Ils sont très méchants, Félix. Il ne faut pas que tu t'éloignes de la secoupe. Danger. Sur ton arme? Telle arme? T'as pas un poignard à neutrons ou un turboche? Mais non. C'est pas comme ça dans l'univers sans armes. Ben oui, sur ma planète, on est très pacifique. Et tout qui sort, c'est de l'inconscience. Bonjour, madame Meyer. Bonjour, Thomas. Je peux voir Félix? Non, pas encore. Il a encore les oreillons? Les oreillons? Ma maîtresse a dit qu'il était malade. Ah non, 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 c'est autre chose. Assieds-toi. Parce que David, le frère à Julie, les a refilés à presque tout le monde dans la classe. Ah. Mais je peux pas le voir, juste 5 minutes. Félix n'est pas là, il est parti. Gawain l'a emmené. Ça va te paraître bizarre, ce que je vais te dire, mais
Gawain n'est pas un vrai extraterrestre. Alors c'est quoi? Orbi et Orbi, répondez Xenon. Ça répond pas? Hein? Ça répond pas? Non. Il a presque plus rien de bon à manger. Il n'y a plus de Mars, il ne reste plus qu'un Milky Way et t'as mangé toutes les fusées en chocolat. Tu crois qu'on peut trouver des oligo-éléments ici? Très difficile. Je parie qu'il n'y a même pas de supermarché. Mais il reste des pruneaux. Même il y a le prosagot et les gosses d'Ibé. Oh, Félix, t'en prie, écoute. Hein? Vous avez des boissons gazeuses? Non. Pétillante. Pourtant, c'est universel. Pff, ça alors. Et les Balthazars, ils mangent quoi? Mais les Balthazars, ils sont très méchants. C'est à rien dire, il faut bien qu'ils se nourrissent, qu'ils mangent. Mais je sais pas, moi, ils pêchent, ils cassent, ils... Ils sont anthropophages et ils mangent les petits-enfants. Ils mangent leurs enfants? Non. Ceux des autres. Et leurs enfants, ils mangent quoi? En tout cas, pas des sucreries. Pas de sucreries? Non, ça les désintègre. Ça alors, tu crois qu'ils vont manger? Non, non, si tu restes là tranquille dans la soucoupe, non. Alors ne pas avoir d'armes, c'est vraiment de la connerie. Quoi? Arrête! La musique, ça me calme. Félix, oh, regarde. Regarde la Terre. Je croyais qu'elle était bleue. On dirait la Lune. Dis donc, t'es sûr de toi? Eh oui. C'est-à-dire qu'autrefois, elle était bleue. Mais aujourd'hui, la pollution l'a rendue toute l'aune. Je crois que t'as raison. J'ai lu ça dans le journal de papa. Oui. Regarde comme c'est beau. Ouais. Hein? Regarde. Félix, si tu crois aux étoiles... Moi, j'ai envie de croire un miracle. Oh, je sais, je ne tiens jamais. Mais je vous jure que si vous faites quelque chose, vous me verrez. En plus souvent. Oui. Oh, le joli poisson! Tiens! T'as froid? Ben oui, j'ai froid. Fais gaffe, tu vas te glisser. Mais non, allez, mets tes moufles. Tiens. Tu parles comme mon père. Hein? Gnac, 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 gnac. Gnac, gnac. Gawain! Gawain! Quoi encore? Regarde! J'ai trouvé ça dans le ventre du poisson. Il y a des poissons à pied sur cette tombe. Oui, oui, c'est sûrement, oui. Incroyable. Ah oui, incroyable. Thank you.
Allez, Félix, ça suffit maintenant, il faut dormir. C'est froid. Oui. Voilà. T'as moi, toi. Oh là là. Tiens. Prends ça. Prends ça avec un petit peu de lait. C'est quoi? Du chlorate de Saturne. C'est bon pour les terriens. Ça aide à lutter contre le mal de l'espace. Et voilà. Oh. Oui, c'est la dernière. Ben oui. Comment toi, tu peux savoir ce qui est bon pour les terriens? Hein? Moi, tu sais, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur Terre. Comment ça, t'es même pas sorti du garage? Mais Mais j'ai vu ça dans ton encyclopédie. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. T'as des enfants, toi? Oui. Un fils? Oui. Il est comment? Il me ressemble? Oui. C'est drôle parce que mon père à moi, il te ressemble. Enfin, juste sur un truc. Hein? Oui, il n'a aucun sens de l'orientation. Mais il est quand même gentil, j'espère. Oui, mais il s'occupe pas beaucoup de moi. Il travaille trop, je crois qu'il aime trop les animaux. Mais non, il aime les animaux et puis toi aussi. Oui, mais il y a des choses que je peux pas lui dire. Parce qu'il est jamais là quand je veux lui dire. Quoi, par exemple? Ben, je sais pas comment lui dire. Mais j'aimerais qu'il soit marié. Parce que ma mère, elle est morte quand j'étais petit. Et depuis, papa me cache toutes ses amoureuses. Et moi, je préférais qu'il se remarie. Je suis un petit peu fatiguée, Gawain. Je vais dormir. Bonne nuit, Gawain. Bonne nuit. Gawain? Quoi? Quand on s'est réparé un rhinocéros, on s'est réparé une soucoupe, non? Non. Gawain. Thank you.
con que cette histoire, merde là. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh nom de Dieu. Jeanne! Seul. Dites-vous. Un ami? C'est faux. Ici, je connais personne d'autre que Gawain. Ça va? Qu'est-ce que vous me voulez? Te parler. Mais d'où venez-vous? Là. De là-haut. De là-haut. Mais où sont tes parents? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as de la fièvre. Gawain! Gawain! Attends! Aide, on veut manger, on m'assassine! Attaqué? Heureusement, j'étais le plus fort. Mais qui t'a attaqué? Un Xerxès. Un Xerxès? Attends, passe-moi le livre. Lequel? Celui-là? Non, l'autre. Je suis allé en reconnaissance. On est près d'une station orbitale ou d'une forteresse solaire, je sais pas. En tout cas, on n'est pas sur Saturne, on est sur Titan, juste à la frontière transgalactique. Regarde. Ah. C'est lui. Oh oui, je comprends. C'est lui. Oui. Oh, comme il a l'air terrible. Oui, il est très terrible. Il avait un œil en verre, un truc énorme qui sortait de la tête. Et puis regarde, le paysage est presque le même qu'ici. Et ben c'est Titan. C'est là qu'habite les Xerxès. Tu vois que tu m'as menti. On n'est pas sur Saturne, on est en face. Ben si, si. Et d'où vient ce lait? Ah, ce lait. On sait bien qu'il n'y a pas de lait sur Saturne. Mais si. C'est du lait d'oiseau. C'est très rare. Regarde. Sans. De toutes les façons, comment veux-tu que je te croie? C'est pas étonnant que sur ta planète, ils aient parti nos messages. L'antenne n'est pas dans la bonne direction. Félix? Félix.
Félix. Félix. Félix. Tu aurais pas me donné une pilule contre le mal de l'espace? Bien sûr. Attends. Oh, il faut encore qu'on arrive sur Xenon. Oh, si seulement t'avais su réparer ton vaisseau. Félix. Félix. Ma grand-mère, elle doit s'inquiéter. Pas possible. Peut-être qu'ils m'ont pas cru. Non, Félix. Ne t'inquiète de rien. Je suis là. Félix, maintenant c'est trop dur. J'en peux plus. C'est toi qui avais raison. Dans ce rôle, je suis nul. Merci d'y avoir cru. Merci. Non. Pas du camping sauvage. Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici, une petite balade? C'est moi qui ai vu l'enfant près de la centrale solaire. Il a besoin d'aide. Ah non, il a besoin de personne, il va très très bien. Bon, maintenant vous êtes gentil, vous partez. Hein? Il faut s'en occuper. Il est malade, c'est peut-être grave. Attendez, attendez, je peux savoir qui vous êtes? Un berger, un mouton? Et vous, qui êtes-vous? Moi, monsieur, je suis son père. Alors? Nous devons soigner votre enfant. Vous le savez très bien. Je vous ai rien demandé, allez-vous-en. Votre fils a besoin de moi. Mon fils? Oui, nous avons assez parlé. Vous savez qu'il n'y a pas un moment à perdre. Si on attend, ce sera trop tard. D'accord, d'accord. Attendez, attendez. Mais à une condition. Vous lui dites que vous êtes venu d'ailleurs. Que vous êtes un extraterrestre. De Titan, oui, c'est l'endroit où on est supposé avoir atterri. Je sais, c'est difficile à croire, mais je vous expliquerai plus tard. Attendez. Montez votre col. Vous vous courbez un petit peu. Et votre monocle, là, vous vous mettez sur l'oreille. Enfin, je veux dire sur l'œil. Ça fera plus vrai. Ma loupe? Oui, votre loupe. Pourquoi? Je vois encore très bien. Non, je dis simplement, ça fera plus vrai. Attention! Gnarkez! Le Gnarkez! Mais non, Gnarkez, c'est un Gnarkez de la tribu des montagnes. Ils sont très gentils, très amicaux. Venez, Gnarkez. Il vient pour réparer la soucoupe? Ah, ben... Entre autres. La trappe du moteur est là. Voilà, doucement, on s'en occupera plus tard de ça, Félix. Mais oui, laisse-moi faire. Non. Tu ferais mieux d'aller pêcher des poissons à pile. Tu sais, là. Amenez-nous plutôt un bon poisson à trois têtes. À trois têtes? Oui, vas-y. Non. Faites-le ou je te dis... Non, attendez, faire quelque chose. J'ai deux mots à vous dire, moi. Qu'est-ce qui vous prend de lui dire que vous pouvez réparer la soucoupe? Et cette histoire de poisson à trois têtes, ça va pas, non? Vous voulez, oui ou non, qu'il me prenne pour un être venu d'ailleurs? Oui, d'accord, mais enfin, n'en faites pas trop. Allez, par là. D'où vous venez? J'habite dans le coin, au pied du glacier. Et vous faites quoi? Oh, pas grand-chose. Ça me laisse le temps de jouer aux extraterrestres. Me regarde. Monsieur Gawain, revenez vite. Oui. La fin ne doit pas être compliquée. Mami, c'est que c'est un vieux vaisseau. Laisse le moteur tranquille.
Allô? Allô, maman, c'est moi, Nicolas. Comment ça va? J'en peux plus, maman. Je suis complètement dépassé. Je comprends rien à ce qu'il me raconte. Je crois qu'il me méprise, je crois qu'il me prend pour un extraterrestre de seconde zone. En plus, il y a un vieux, une sorte de berger qui a débarqué dans la soucoupe. Si Félix l'avait pas pris pour un extraterrestre, tout était foutu. Attends, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Allô? Et Félix? C'est Félix qui m'intéresse. Je crois qu'il a un peu de fièvre. Emmène-le tout de suite. Il faut qu'il retourne à l'hôpital. Je ne veux pas qu'il souffre. Mais moi non plus, je veux pas qu'il souffre. Qu'est-ce que tu crois? Que je m'en occupe pas? Que je le laisse tout seul? Écoute, Nicolas, il faut que cet enfant soit pris en charge, que des gens compétents s'en occupent. Tu trouves normal que cet instant, il soit seul dans une soucoupe en plein milieu de la mer de glace? Franchement. D'abord, il n'est pas seul, il y a Xerkès à côté de lui. Xerkès? Mais oui, maman, je viens de t'en parler, de Xerkès. Le berger. Mais c'est pas un berger ou un extraterrestre qui doit s'occuper de cet enfant. C'est un médecin, Nicolas. Un médecin, tu comprends? Allô? 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 Qu'est-ce qu'il a? Je l'ai endormi. Comment s'endormir? Je l'ai hypnotisé pour que son corps soit détendu et en parfait accord avec moi. C'est important pour la suite. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous a pris de l'amener ici? Vous êtes malade? Je vous avais simplement dit de le garder. S'il était resté dans votre soucoupe, il serait mort de froid. Les batteries sont presque à plat. C'est ça que vous voulez? Je l'ai amené ici parce que personne ne peut plus rien pour lui.
Ni vous, ni moi, ni l'hôpital, comprenez. Écoutez, depuis des générations, on se transmet chez nous une autre façon de soigner. Ben voyons. Oui, quoi, peut-être pas. Mais appelez ça comme vous voulez. De la sorcellerie, du magnétisme, qu'importe, croyez-moi. Arrêtez, Xerxès, on n'est pas lourd ici. Alors que foutez-vous ici à faire, le guignol, partez. Félix est atteint d'une maladie incurable. Vous n'y pouvez rien, moi non plus. J'ai cru pourtant à ce rêve. J'ai cru. Au sien. Puis au mien aussi. La différence, c'est que cette fois-ci, c'est ma réalité. Peut-être, peut-être. Mais moi, je ne crois pas à la sorcellerie de campagne, ni au marabout, ni à toutes ces conneries. La seule chose, c'est que je veux pas qu'il souffre, alors je rentre et puis je l'emmène à l'hôpital. Il ne supportera pas le voyage. Pas dans cet état. Eh ben, il faut prévenir un médecin, alors. Non! Vous allez m'aider. Car votre fils a une chance de s'en tirer. Les astres sont positionnés de manière favorable. Une sorte d'osmose. C'est rare. Regardez le soleil à travers ça. Qu'est-ce que c'est? Une éclipse solaire. C'est un signe du destin. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que vous faites? Regardez, il reprend vie. Venez vite, démon. Alors, on continue? Juste un peu de soufre. Pour la mise en scène. N'oubliez pas, nous sommes des extraterrestres. Une pluie d'étoiles. Ça marche. Il faut le faire boire. Attendez, c'est quoi ça? Les herbes de la montagne et des minéraux. J'oublie l'agneau. C'est ça. Doucement, doucement. Le faire transpirer. Gavin? Oui. J'ai faim. Ça va. Alors? La fièvre est tombée. Mais on ne sait jamais, hein. C'est quand que je mange? J'ai du fromage de de titan dans le placard. Préférez des gâteaux ou des bonbons? D'accord. Je vais t'en chercher tout de suite. Tout de suite.
Ça va? Bonjour. Bonjour. Je voudrais du chocolat, s'il vous plaît. Au lait ou noir? Il y en a pas aux noisettes? Aux noisettes? Oui. Voilà. Merci. C'est du bon? Je crois, oui. Je vous dois combien? 10 francs. Vous pouvez pas m'aider, là, j'y arrive pas. Bien sûr. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est vrai que tu as entendu nos messages? Ouais. On a eu de la chance parce que l'émetteur de Gabouine, il est pas très moderne. Oui, mais... dans ma forteresse solaire, je capte tout le message qui part de... Titan. C'est la première fois que tu soignes un enfant de la Terre? Ouais. C'est plus dur que je ne l'imaginais. Hello. J'ai une bonne nouvelle. Ta planète a répondu? Non. Mais j'ai trouvé du chocolat. C'est ça ta bonne nouvelle? Quoi? Tu n'en veux pas? Du chocolat à la noisette? Toi, tu penses qu'à amener le chocolat pour moi? Que Xerxès, il est tout fatigué, il a voulu me donner des forces et moi, je lui ai tout pris. Ah, Félix a raison. Ça va beaucoup mieux. Mais au moins, il sait faire des trucs cosmiques et utiles. Pourquoi tu me dis ça, Félix? Parce que je suis inutile, hein? Ça... je ne ferai rien. Je suis qu'un pauvre extraterrestre sous-développé. Elle est nulle, quoi. Mais t'oublies une chose, Félix. C'est moi qui t'ai amené ici. C'est grâce à moi tout ce qui t'arrive. Après tout, tu connais quoi à l'espace, toi, hein? Rien, tu faux. Tu sinoches. Des soucoupes en toc. T'es comme petit terrien, tiens. Il y a quoi le chocolat? Noir ou au lait? Pourquoi? Parce que j'en veux bien quand même. Va te faire foutre. Tiens. Merci. Donne-moi votre soucoupe. Tu veux pas nous prendre nos 10 sous? Je voudrais le montrer aux gens de là-haut. Sinon, ils ne me croiront jamais quand je leur raconterai que vous fabriquez des engins pareils, hein. Tiens. Drôle de goût. Je comprends plus rien. T'habites pas ici dans la forteresse solaire? Non. Alors on n'est pas sur Titan? Gawain t'expliquera plus tard. Je dois aller réparer la soucoupe. Mais attends, nous, qu'est-ce qu'on va devenir sans vaisseau? Ne t'inquiète pas. Gawain te ramènera sur Terre avec la soucoupe. Et ensuite, il me la rapportera. Et comment il fera, lui, pour rentrer chez lui? Je ne te l'ai pas encore dit, mais j'ai décidé de retourner sur Xénon par téléportation. Par téléportation? Ben oui. Et pourquoi t'en as pas parlé avant? Mais parce que c'est très dangereux. Parfois, ça transforme les garçons en filles et les filles en garçons. C'est pour le voyage. Oui. En attendant que ça fasse son effet, je vais réparer la soucoupe avec Gawain. Bouge pas. Compris? Compris. Xerxès, ça va mieux? Tout à fait. Il s'est concentré de magnésium sous forme de plaquettes alimentaires.
m'a fait le plus grand bien. Bon. On fait quoi maintenant? On fait exactement comme je dis. En route. Sérieusement, vous la voulez vraiment cette soucoupe? Oui, j'aimerais bien. C'est qu'un jouet, il y a même pas de roulette en dessous. En souvenir, vous me devez bien ça. Bon, d'accord, je vous la donne. Même si j'ai du mal à croire à toute cette histoire. Entre nous, vous y croyez vraiment à ce que vous venez de faire? Même si vous ne croyez pas à la magie, je pense que ça va quand même marcher. Caisse. C'est difficile à dire, mais si Félix a besoin de vous, enfin, vous voyez quoi. Comment ça? Ben oui, après, plus tard. Mais vous savez où me trouver. Et vous êtes sûr qu'il va pas se réveiller? Avec le breuvage, soyez sans crainte. Il se réveillera que dans son lit. Je m'appelle Nicolas. Moi, Pierre. Je dois vous quitter. Je veux dire qu'est-ce? Il faut faire vite.